Aujourd'hui, le 8 juillet, je contemplerai Dieu en personne. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Job 19, verset 26. Nous allons toujours de l'avant dans un but précis. Trouver un emploi, rendre visite à quelqu'un, atteindre un objectif, etc. La grande espérance du chrétien est de se trouver un jour en la présence de Dieu. Vaine est notre foi si nous ne sommes pas animés d'un tel désir. Si le ciel foisonne de choses à découvrir, voir Dieu n'en reste pas moins l'attraction principale. Quel bonheur de l'entendre répondre à nos questions, de le contempler face à face et non dans un reflet comme maintenant. Ce jour-là, je le verrai et je le connaîtrai comme il me connaît. Nous nous passionnons en pensant au ciel. Curieux peut-être que nous sommes d'admirer ces rues pavées d'or, ces murs tout de jaspe ou ces portes de perles. Ou bien désireux de voir les mains percées de notre Seigneur et Sauveur. Mais l'attraction majeure et le plus cher désir de tout croyant reste de voir Dieu. Lui, le souverain, et l'essence même du ciel. Pour le moment, notre bonheur le plus doux est de le contempler par la foi, de consacrer du temps à la prière et à la communion avec lui. Mais voir Dieu sera l'apogée. Non seulement le voir tel qu'il est, mais pouvoir le ressembler. Notre Créateur ne sera pas semblable à un homme politique distant, avec qui il faut prendre rendez-vous des mois à l'avance pour avoir un entretien de 2 minutes. Aucun garde du corps pour nous tenir à distance, aucun disciple pour barrer le passage et obliger Jésus à élever la voix au-dessus de la foule afin d'imposer sa volonté. Laissez-les venir à moi, ne les en empêchez pas. Fin de citation. Le Seigneur ne sera pas contrarié dans son ardent désir de s'approcher de nous. Moi-même en personne, je contemplerai Dieu, signifie que malgré les luttes, les déceptions et les découragements du moment, rien ne subsistera devant la vision de notre Père céleste. Il ne s'agit pas uniquement de le voir, mais comme Job le demande, de comprendre ses objectifs, connaître sa volonté, jouir éternellement de sa bonté. Là, je demeurerai vraiment dans la maison de mon Dieu pour l'éternité. Les enfants de Dieu, pèlerins séculaires de la vallée de l'ombre de la mort, ont la certitude que celui qui est la résurrection et la vie va revenir pour les emmener avec lui. Le patriarche Job, dans la nuit de son affliction, s'écrie en accent d'une foi inébranlable. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Amen. » Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament. Le livre de Job, les chapitres 18 et 19. Et dans le Nouveau Testament, Marc, chapitre 8. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À demain!